Praise God. 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 Oh, one more time. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost. Well, now I am found. Was blind, but now I'm. Oh, one more time. Amazing. Everybody, praise how sweet the sound that saved a wretch like me. Yes, I was, oh, lost. Well, now I am found. Was blind, but now I see. Oh, hallelujah! God be praised. Alléluia, que Dieu soit loué. Merci Jésus. Lord, we thank you, Father. Seigneur, nous te remercions, Père. Béni soit le nom du Seigneur. How we praise you, Lord. Combien nous te louons, how Seigneur. We thank you. Combien nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Oh, my. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Louange et honneur et gloire et domination appartiennent à l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dans la pensée de Dieu, il a été immolé. Et quand il a été immolé, nos noms ont été aspergés dans le livre de vie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. Shall we bow our heads in a word of prayer? Courbons la tête dans un mot de prière. Want to remember Sister Millie Fischetti. Je veux me souvenir de Sœur Millie Fischetti, Sœur Connie Saint-Georges, son frère Anthony Fischetti, qui est en train de perdre un os dans ses gencives. S'il vous plaît, priez pour que Dieu crée un nouvel os dans ses gencives. Souvenons-nous de notre frère Kurt. Il ne sera pas avec nous aujourd'hui, il déménage d'un appartement dans un autre. Courbons la tête dans un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, c'est avec une grande révérence et avec respect que nous venons devant le trône de la grâce. Combien nous te remercions, Seigneur. Nous sommes ici sur cette terre, en ces moments où le monde est en train de mourir. Le monde se prépare à avoir un service funéraire. Mais Seigneur, tu prépares le souper des noces pour ton épouse. Seigneur, tout espoir est perdu dans les systèmes du monde. Le monde entier a perdu l'esprit. Ils sont fous. Les gouvernements essayent de se détruire les uns les autres, Seigneur. Les gens tuent, font des meurtres et des viols.
Seigneur, le monde est devenu fou. Comme nous te remercions pour le privilège de pouvoir t'adorer aujourd'hui. Combien nous te remercions à New York City, qui est un mélange de différentes nationalités qui viennent vers la liberté à New York. Quel type spirituel, une petite épouse à Forest Hills, un mélange où toutes les nations peuvent venir ici dans la liberté de l'adoration. Les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges peuvent s'asseoir les uns à côté des autres dans la chair, mais leurs âmes sont la parole de Dieu. Ils ne regardent pas à la chair. Ils regardent à Jésus, celui qui les a rachetés par son sang précieux. Oh Dieu, nous te remercions. Nous t'aimons ce matin. Bénis les étrangers parmi nous ce matin. Tous ceux qui sont venus pour avoir communion. Souviens-toi de notre frère Kurt ce matin. Sois avec lui, Seigneur, et bénis-le, Père, et aide-le à faire ce déménagement qu'il doit faire à son âge. Souviens-toi du frère de sœur Connie, Seigneur. Aide-le et guéris ses gencives, Seigneur. Maintenant, Seigneur, oint tes serviteurs et déplace-toi dans l'assemblée, Seigneur. S'il y a des semences ordonnées à la vie, puissent-elles être arrachées au monde ce jour et qu'ils acceptent leur salut. Bénis la parole. Déverse le Saint-Esprit. Confirme la parole avec des signes, prodiges et miracles. Et nous prendrons soin de te donner toute la louange, l'honneur et la gloire, car nous le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez rester debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Je désire lire dans Saint Jean 1. Et si vous voulez aussi mettre un signet à Éphésiens 3, Éphésiens 1, pardonnez-moi, du verset 3 à 10. Et 1 Pierre, le premier chapitre, du verset 18 à 25. Nous lisons dans Saint Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Éphésiens, premier chapitre, verset 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. According as he hath chosen us in him, when, before the foundation of the world, that we should be holy without blame before him in love. En lui, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. Pour célébrer la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he hath purposed in himself.
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et souvenez-vous, il est la parole, le Seigneur, qui est descendu sur la terre pour vous rassembler en lui, hors des églises, hors du monde, dans la parole. Alors ceux qui sont dans le ciel seront rassemblés aussi sur la terre en lui. Oh, quel message! 1 Pierre 1:18. We're not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. God could have just stayed there. Dieu aurait pu simplement rester là, mais il s'est manifesté pour nous, parce que nous étions en lui. Gloire à Dieu, amen. Who by him do believe in God that raised him up from the dead and gave him glory that your faith and hope might be in God. Par lui vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. May God have blessed in the reading of this word. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. You may be seated. Pouvez vous asseoir. Well, we thank God to be here this morning. Eh bien, nous remercions Dieu d'être ici ce matin. Je désire saluer tous nos visiteurs et tous les étrangers ici. David and Raina. Je comprends que nous avons une famille de Philadelphie qui est venue avec David et Raina. Il y a aussi Mme Seamus du voisinage, nous sommes heureux qu'elle soit là, où qu'elle soit. Et les parents de notre frère Dufty sont ici, nous sommes heureux de les voir, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les amis et les étrangers qui sont éparpillés dans la région du Grand New York. Eh bien, gloire au Seigneur. Nous ne savons pas ce matin ce qui va être. Tout le monde semble être un peu silencieux. Que se passe-t-il? Amen. Nous avons eu un temps spécial dans ce réveil. Amen. J'ai été attaqué jeudi soir. Oui, je suis allé voir mon petit médecin de campagne en Pennsylvanie. Je me souviens qu'une fois en décembre, l'année passée, en décembre, le Saint-Esprit avait dit « Édifie ton corps ». Et alors, je suis allé voir ce petit médecin de campagne pour édifier mon corps. Et cela venait de Dieu. Je n'aurais jamais pu traverser janvier cette fois-ci.
si je n'avais pas eu ces vitamines pour le corps. Ainsi, c'est le Seigneur qui sait le mieux ce dont nous avons besoin. Tout le monde, système digestif et tout est démoli, une attaque dans l'estomac. J'étais même sur le point de rendre dans l'essuie ce matin, en sachant que je dois terminer ma course mercredi et dimanche. Mais j'ai commencé à recevoir des confessions. Et ce matin, plusieurs, et mercredi soir, ainsi cela me donne de la force ce matin. Cela m'a fait savoir que la prédication n'est pas en vain, et que quelqu'un saisit la vision. Ainsi, sur la force de ces confessions et la force de votre foi en Dieu, je veux continuer à aller de l'avant. Je désire prendre un repos pendant 3 semaines après cela, mais je m'attends à ce que vous soyez une église différente. Ainsi, il a été annoncé que frère Dave vient ici. Notre frère Dave Musgrove d'Oklahoma, il va en Angleterre. Donc, il va s'arrêter ici et il aura un peu de communion avec nous. Ainsi, le souper du Seigneur ne sera pas le prochain dimanche soir. Ce sera le dimanche habituel, le premier dimanche du mois. Ainsi, priez pour moi. Eh bien, j'allais dire d'autres choses, mais je pense que j'en parlerai mercredi. Et vendredi soir, nous avons eu une soirée de prière. C'était une sorte de prière paresseuse, sans fardeau et sans véritable cri vers Dieu. Et vers 9 heures du soir, Frère Joey, et le Saint-Esprit m'avait en quelque sorte dit, laisse-le dire quelques mots vendredi. La pensée du Seigneur sait qui est censé parler et quand. Et ce don-là se trouve là. Il avait eu un fardeau toute la semaine à cause d'un manque de repentance et des attitudes. Et il voulait parler de Marie à nouveau. Mais le Saint-Esprit a utilisé le don et a réprimandé tout le monde ici vendredi soir. Alors, à 9h30, après avoir été ici depuis 7h, ils ont commencé la prière à 9h30 après la réprimande du Saint-Esprit. Ainsi, gloire à Dieu, nous voulons remercier Dieu pour le Saint-Esprit. Et nous remercions Dieu pour frère Joey qui s'en est remis au Seigneur. Voyez-vous comment ce don entre en action? S'il était dans la Pentecôte, il dirait, oui, je te dis ma fille, mon fils ou ma fille, tu seras béni, tu feras ceci. Ça, c'est pentecôtiste. Son don est dans la parole. Pour vous exhorter, vous réprimander, vous encourager par le message de l'heure. Voyez-vous le don maintenant? La parole est ce qui vous donne la force. La parole te bénira, ma fille. La parole te bénira, mon fils. Si tu fais les choses que je t'ai dites. Mais dans la Pentecôte, il vous bénit de toute façon et vous vivez comme un démon et tout va bien. Mais pas dans l'âge de la parole. Cela doit être selon la parole. Ainsi, gloire au Seigneur, nous remercions Dieu pour ses dons, qui nous exhorte, qui nous réveille, pour nous faire voir l'heure. Et sœur Saint-Georges veut louer Dieu. Je désire remercier et louer le Seigneur pour sa bonté envers moi. Eh bien, elle avait eu une mauvaise fracture à un orteil. Et alors elle m'a téléphoné, ils avaient pris des rayons X et ils voulaient lui mettre un plâtre. Mais nous avons prié et elle est retournée et ils ne pouvaient pas trouver les rayons X. Donc ils ont dû faire des nouveaux rayons X. Et avec les nouveaux rayons X, elle n'avait plus besoin d'être dans le plâtre. Eh bien, Dieu peut déplacer les os. Et il peut déplacer les os d'Ézéchiel également. Il peut aussi déplacer vos os secs. Gloire à Dieu. Et elle désire remercier Dieu pour sœur Millie. Nous avions prié pour elle. Et elle montre une nette amélioration.
Ainsi, nous remercions Dieu pour cela. Eh bien, j'étais très fatigué ce matin et je n'ai même pas pris, j'ai même pas écrit de notes jusqu'à environ 8 heures. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et vous êtes fatigué, épuisé et une nouvelle brochure est sortie. Elle vous sera donnée après. Le titre est « Sans argent ou sans prix ». C'est juste là, sur la première page. C'était une bénédiction. Il a dit, si nous vivons correctement, ça ne veut pas dire que nous soyons préservés des problèmes. Franchement, ça veut dire que tous les problèmes se présentent sur notre chemin. Ainsi, cela m'a en quelque sorte aidé ce matin, car nombreuses sont les afflictions du juste, mais Dieu l'en délivre de toutes. Et c'est la partie glorieuse. Voyez-vous, c'est cette parole qui nous donne la force. Ainsi, ce matin, nous avons parlé du Saint-Esprit. Ainsi, je pensais ce matin que je désirais vous parler du sang. Et mercredi soir, n'oubliez pas, nous avons en quelque sorte une petite réunion d'affaires avant la réunion normale. Oh oui, et aussi hier après-midi, nous voulons remercier et louer le Seigneur pour notre précieux frère Ben ici. Combien apprécie frère Ben? Gloire à Dieu. De longues années de service. Nous avons eu un dîner à l'occasion de sa retraite et en son honneur hier. Et ce fut un moment béni. Et frère Ben a donné un beau petit speech de son cœur. Oh, ça a touché tout le monde. Ainsi, nous apprécions notre frère. Et que Dieu bénisse richement notre frère et le remplisse du Saint-Esprit. Eh bien, gloire à Dieu. Eh bien, j'ai quelques citations et des choses ici ce matin. Juste un petit enseignement. Un petit message pastoral. Amen. Eh bien, j'ai une pensée à vous donner ce matin. Représentation par prédestination. Comme je vous parlais mercredi soir, nous parlions de la nouvelle naissance. Nous étions en train de parler de la nouvelle naissance de Nicodème, l'un de ces chrétiens nocturnes qui aiment s'éclipser de leurs amis, de leurs associés dans les affaires, leur dénomination, s'éclipser à l'occasion de la nuit pour découvrir de quoi s'agit-il. Et il était venu voir Jésus. Et Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Né de nouveau. Comment un homme peut-il entrer à nouveau dans le sein de sa mère? Il a dit, tu dois naître d'eau, ce qui est la parole et d'esprit. C'est par la parole et le Saint-Esprit que vous êtes né de nouveau. Et nous comprenons que c'est par prédestination. Et nous comprenons que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Nous étions des attributs. Nous sommes des attributs. Nous faisons partie de la pensée de Dieu. Avant que Dieu ne s'appelle Dieu, simplement l'Éternel qui demeurait seul. C'est pourquoi nous étions dans ses pensées. Et il a exprimé la parole. Et la parole est le Logos. Et c'est Jésus. Et c'était la parole. Et cette parole fut faite chair, appelée Jésus-Christ. Et nous étions en lui, avant la fondation du monde. Nous étions en lui, au commencement, quand la parole fut exprimée, qui est la parole. Nos esprits furent alors exprimés au commencement.
C'est pourquoi seuls ceux qui étaient avant la fondation du monde peuvent naître de nouveau ou être nés de nouveau. Aucun autre ne peut naître de nouveau. Vous devez avoir une vie, un germe dans votre âme. Amen. Nous avons trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et dans nos corps, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, pour contacter les choses de cette terre. Et nous avons une partie surnaturelle, les esprits humains, l'imagination, l'affection, la conscience, le raisonnement, la mémoire. Amen. Mais il y a une autre partie, à l'intérieur de l'intérieur, c'est l'âme. Amen. Et vous pouvez encore avoir une âme et être un membre d'église. Vous pouvez croire en Bouddha et Hindou et Confucius. Vous pouvez aussi adorer toutes sortes de dieux. Ça ne veut rien dire parce que l'homme est religieux. Mais les gens de la parole ont une semence dans leur âme. Amen. Et les gens religieux, les gens dénominationnels, ils ne vous comprennent pas, parce que vous êtes la parole, avant la fondation du monde. La semence, pas vous, la semence dans votre âme. Amen. Un jour viendra à la parole dans votre génération. Comment pouvons-nous entendre à moins d'avoir un prédicateur? Comment peut-il prêcher à moins qu'il ne soit envoyé? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi donc, vous devez naître de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, c'est lorsque vous êtes mort. Et vous êtes né, régénéré, une nouvelle créature. Vous êtes éternel. Vous êtes changé d'une créature du temps. Voilà pourquoi vous ne vous souciez pas du monde et des choses du monde. La mode du monde passe. Vous vous souciez des choses qui sont éternelles. Vous n'êtes pas une créature du temps. Ainsi, ces choses ne vous font rien. Vous n'êtes pas concerné. Voici ce qui vous concerne. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. Amen. Gloire à Dieu. Oh là là. Merci, Seigneur. Je pense que les gens diraient, oh là là, quel tas de gens bruyants. Eh bien, la même chose est arrivée le jour de la Pentecôte. Marie est venue en criant, en dansant. Alléluia, gloire. Gloire à Dieu, amen. Ainsi, ils peuvent vous appeler un saint rouleur. Mais si le Seigneur me dit de rouler, eh bien je vais rouler. Amen. Pourquoi? Je suis une créature d'éternité. Amen. Vous êtes passé de la mort à la vie. La nouvelle naissance est une expérience. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus le même. L'esprit avec lequel vous êtes né, né dans le péché, formé dans l'iniquité. Quand vous êtes né dans ce monde, vous parliez comme un menteur. C'était l'esprit du monde en vous. Oh, hallelujah.
Cet esprit alors, quand vous avez grandi, quand vous avez pris de l'âge, vous avez commencé à circuler partout, à faire toutes sortes de choses dans le monde, mentir, tricher, fumer, faire toutes ces choses. Ce n'est pas le péché, ce sont les attributs du péché. Parce que vous êtes un pécheur. Il ne condamne pas le pécheur pour ces choses. Ce sont les attributs de sa nature. Amen. C'est parce qu'il est un pécheur qu'il fait ces choses. Gloire à Dieu, amen. Il condamne les chrétiens s'ils font ces choses. Amen. Parce que vous avez une nature différente. L'amour, la paix, la joie, la sainteté, la piété. Amen. Gloire à Dieu. Louange à son nom. Ainsi, si un chrétien fait ces choses, Dieu doit le juger pour ces choses, afin qu'il ne soit pas condamné avec le monde. C'est pourquoi il doit prendre le fouet. Oh là là, quelque chose prend place en vous. La nouvelle naissance est une révélation de Jésus-Christ personnellement à vous. Dieu vous a révélé ce grand mystère. La seule manière où vous pouvez être sauvé est le connaître par révélation. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Qui les hommes disent-ils que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Maintenant, regardez comment Jésus emmène ses disciples loin de l'homme. Et ses disciples dirent, eh bien, ils ne savent pas qui tu es. Certains pensent que tu es Jean le Baptiste, l'un des prophètes, ils ne savent pas. Il a dit, la chair et le sang ne savent pas. Vous ne pouvez pas le recevoir dans un séminaire. Vous ne pouvez pas aller à Harvard ou Yale. Nulle part pour ceci. La chair et le sang ne peuvent pas vous le révéler. Il a dit, mon Père dans le ciel vous a révélé qui je suis, moi, le Fils de l'homme. La chair et le sang ne peuvent pas vous le révéler. Sur le roc de cette révélation, j'édifierai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, vous avez eu une amnésie quand vous êtes né. Mais alors, lorsque Dieu vous a appelé, vous vous êtes réveillé. Certains d'entre vous étaient des hippies, la saleté de la terre. Mais vous vous êtes réveillé. Votre Père vous a appelé. Amen. Quelque chose s'est passé en vous. Gloire. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici dans ce monde? Laissez-moi retourner à la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Sortez de là. Dieu vous appelle aujourd'hui. Peu importe ce que vous êtes, baptiste, méthodiste, presbytérien, ce sont des membres d'église. Mais Dieu appelle des fils de Dieu à venir. Venez, venez. Venez aux eaux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, amen. Merci Jésus. Praise God.
God, amen. The sons of God are shouting for joy. Les fils de Dieu crient de joie. Amen. See, you had amnesia. Voyez-vous, vous avez une amnésie. And you woke up. Et vous vous êtes réveillé. And you see where you are. Et vous voyez où vous êtes. You see who you are. Vous voyez qui vous êtes. See, you forgot that you was with him. Voyez-vous, vous aviez oublié que vous étiez avec lui avant la fondation du monde. His church is himself. Son Église, c'est lui-même qui est révélé et exprimé par la parole elle-même. Dans chaque génération, un messager s'avance. Il prêche la parole, ce qui est vous. C'est votre nom. Et vous y venez. Et c'est lui-même exprimé au travers de vous. Vous êtes l'Église. Vous êtes Madame Jésus-Christ. Vous êtes baptisé en son nom. Amen. Non pas Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas un nom. Ce sont trois titres. Je suis un père. Je suis aussi un fils. Je suis un mari. Mais mon nom est Joseph Coleman. Amen. Et le nom du Seigneur est une tour forte. Le Seigneur, Jésus, Christ, le Seigneur, la colonne de feu. Amen, Jéhovah, le Seigneur, Jésus, Dieu manifesté, le Christ, le Saint-Esprit, le Seigneur, Jésus, Christ. Amen. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un, non pas trois dieux, un seul Dieu, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Père, un seul Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Praise God. Yes, sir. My. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Saint John 1 through 3. Saint Jean 1 de 1 à 3. In the beginning was the Word. Au commencement était la parole. And the Word was with God. Et la parole était avec Dieu. And the Word was God. Et la parole était Dieu. And in him was life. Et en lui était la vie. And the life in him. Et la vie en lui. Which is the Word. Qui est la parole. Which is the germ. Qui est le germe. Which is the gene of God. Qui est le gène de Dieu. Was the life. Était la vie. And the life was the light of men. Et la vie était la lumière des hommes. Because the Word is light. Parce que la parole est lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. C'est la parole. C'est la vie. Ainsi, la vie est seulement par la parole de Dieu manifestée. La vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. Ce doit être une manifestation de la vie spirituelle. Et quand vous voyez la vie spirituelle, c'est la lumière sur la parole. Amen. Et la vie spirituelle est la vie éternelle. Et elle ne peut venir que par la parole parlée de Dieu. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Et le Saint-Esprit a couvé sur la parole. C'était une semence parole. Elle sortait de sa bouche. Et tout ce qui sort de sa bouche doit s'accomplir. Que la lumière soit. Le Saint-Esprit a couvé la semence parole. Et la lumière fut. Parce qu'il l'avait dit. Qu'il y ait une église à New York City. Le Saint-Esprit vous a couvé. Et vous voilà en train de crier et louer Dieu. Vous êtes la parole parlée de vie. C'est la seule manière où la vie puisse venir. C'est par la parole parlée, en sa saison, en votre génération. Vous êtes la parole parlée, créatrice de l'origine. Alléluia. Gloire à son nom, prédestiné.
Et votre lumière resplendit dans un endroit obscur. Et ils ne la comprennent pas. Ils ne la comprennent pas. Mais vous, oui. Pourquoi? Parce que vous êtes depuis le commencement. Quand il est sorti, vous êtes sorti. Gloire à Dieu, amen. Il n'a pas seulement dit « Je suis la lumière du monde, je suis la vie ». Il a dit « Vous êtes aussi la lumière, ce qui est la vie, ce qui est la parole de Dieu depuis la fondation du monde et au commencement et depuis le commencement. Voici l'ordre divin de Dieu, la préscience, l'élection, la prédestination, la préscience détermine l'élection. La prédestination, c'est l'accomplissement des élus. Ceux qui sont connus d'avance sont élus. Et les élus sont prédestinés. Ainsi Dieu, dans sa préscience, vous connaissez. Amen. Il connaissait chaque membre d'église. Amen. Il savait tout au sujet de la bête et le système de prostituées du monde. Il savait que le diable serait libéré sur cette terre et il savait qu'il aurait une épouse parole se tenant là comme un témoignage par sa préscience. Il vous a vu exactement comme vous êtes. Blanc, noir, jaune, rouge. Il vous a vu à l'avance, en train d'adorer, d'avoir communion, de pousser des cris, de louer Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu, amen. Dans Saint Luc 22, 19 et 20, se préparant à prendre le souper du Seigneur, il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, le Nouveau Testament. Amen. La coupe des souffrances que vous êtes en train de souffrir maintenant à cause de votre famille, de vos amis au travail, votre patron, ils ne vous comprennent pas. C'est une nouvelle manière de vivre. Ce n'est pas une religion. Les Juifs avaient une religion. Amen. Il est venu chercher ses élus, Pierre et Jacques et Jean, hors de la religion, la religion juive. Et il a dit, pouvons-nous boire cette coupe? C'est un baptême de souffrance. Ces Juifs, ils avaient une manière de vivre qui était connectée avec les familles. Et voici que vient un petit homme avec une barbe et une longue tunique. Et il vient en guérissant les malades, en chassant les démons, en accomplissant des signes et des prodiges. Et là se tenaient les sacrificateurs, les chefs rabbins, les scribes, les hommes de loi. Et voici que vient un petit homme humble, un petit Galiléen. Il était la parole. Amen. Et le voici qui vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Il entre dans un système religieux. Il appelle ses élus. Venez voir. Venez voir. Ne critiquez pas. Ne dites rien à ce sujet. Venez voir. Amen.
Gloire à Dieu. Ainsi, Pierre et Jacques et Jean ont dû être séparés de leur mère, de leur père, du système, de leurs cousins, de leurs oncles et de leurs tantes, les prédestinés élus. Le salut venait des Juifs. Nous avons le salut. Nous avons l'instruction. Nous sommes les gens les plus instruits. Gloire à Dieu. Nous venons d'Amérique. Nous sommes ceux qui sont bénis sur la terre. Mais voici que vient la parole. Amen. Gloire à Dieu. Voici que vient la parole. Sortez de ce système. Amen. Que vos cœurs ne se troublent pas. Vous croyez en Dieu. Vous croyez en Jéhovah. Vous croyez dans vos rabbins. Vous croyez dans votre chef sacrificateur. Croyez aussi en moi. Je suis la parole. Oh Philippe, cela fait si longtemps que tu es avec moi et tu ne sais pas qui je suis. Quand tu me vois, tu vois le Père. Je suis le Père. Je suis la parole manifestée. Je suis venu pour vous. Pierre, Jacques et Jean, Marie, je viens pour vous. Séparez-vous de vos systèmes. Venez à la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous qui vous êtes? Nous savons tous que l'Amérique est l'antitype d'Israël. Dieu a béni Israël et Dieu bénit l'Amérique. Nous savons cela. Amen. Lors des fêtes juives, le soleil brille et toutes les nations sont furieuses et font des plaisanteries et font des choses à ce sujet. Voyez-vous, ils sont jaloux des Juifs. Vous êtes les Juifs spirituels et ils sont jaloux. La bénédiction de Dieu est avec vous. Amen. Et nous comprenons cela. Tout comme Israël avait David, nous avons eu George Washington. Comme Israël a eu Salomon, nous avons eu Abraham Lincoln. Mais Israël a été pris dans un système de Jézabel, un système religieux. Et Élie est venu pour faire exploser cette chose. Amen. Maintenant, nous voici en Amérique. Tous vos pères primitifs, la plupart d'entre eux, étaient en Europe quelque part, dans un système religieux catholique. Ils désiraient un monde nouveau, un monde libre, pour sortir du système européen futile. Et ils sont venus vers le nouveau monde, aussi longtemps qu'ils ont cru Dieu, qu'ils se sont tenus éloignés du système de Jézabel. Dieu a béni ce pays. Et Abraham Lincoln le savait. Et alors nous connaissons John Booth et Mary Surratt à Washington et la conspiration avec Rome. Ils voulaient tuer Abraham Lincoln et le père Chinigui du Canada. Et Abraham Lincoln a essayé de l'arrêter. Mais le système catholique est entré de toute manière. Mais alors les protestants ont tenu ferme. Mais en 1928, ils ont présenté un test avec Al Smith pour voir s'il pouvait être président. C'était le système catholique, Jézabel. Mais d'une manière ou l'autre, le péché est entré en Amérique. Et finalement, ils ont mis le président Kennedy sur le trône. Et vers ce temps-là, quand le système de Jézabel est entré, voici que vient l'esprit d'Élie. Amen.
Gloire à Dieu, amen. Voici qu'est venu l'esprit d'Élie sur William Marion Branham. Pourquoi est-il ici? Pour révéler le Fils de l'homme. Pour revenir directement au système religieux américain. Le Conseil mondial des églises. Tout comme les pharisiens, les sadducéens, les dénominations. La parole Jésus a réprimandé les dénominations et a fait sortir les enfants. C'est la même chose aujourd'hui. Les dénominations, les baptistes, les méthodistes, les presbytériens et quoi encore. La parole a réprimandé les systèmes et a fait sortir les enfants. Vous êtes libres. Celui que le Fils de l'homme a libéré est véritablement libre. Gloire à Dieu. Ainsi pour les étrangers, pour nos amis, nous sommes libres du système mondial religieux. Gloire à Dieu. Nous sommes les enfants du roi. Nous poussons des cris. Nous sommes la vie. Nous sommes la lumière. Nous n'allons pas nous cacher sous le boisseau. Nous allons resplendir. Que votre lumière brille. Alléluia. Gloire. Oui, nous devons traverser des persécutions. Nos familles ne nous comprennent pas. Personne ne nous comprend. Mais maintenant même, vous avez la puissance pour vos familles. Ne vous inquiétez pas. Quand la Californie s'enfoncera, observez la famille venir en courant vers vous. Que puis-je faire pour être sauvé? Et vous serez adopté. Et vous tiendrez là. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne la vie éternelle. La parole parlée, la vie éternelle. Prenez position pour vos familles. Séparez-vous. Gloire. Gloire. Tenez-vous debout. Gloire à Dieu, amen. Oh, hallelujah. Amen. Cette coupe est le Nouveau Testament dans mon sang qui est versé pour vous. Vous êtes le Nouveau Testament. Voici les sept âges de l'Église. C'est tout ce qu'il y a. Cela vient depuis l'Église apostolique directement jusqu'à notre temps. Voyez-vous, le livre de la rédemption détient le mystère des sept âges de l'Église, car le sang est le Nouveau Testament. Et vous ne pouvez pas avoir un Nouveau Testament sans un testateur. Quelqu'un doit mourir et verser son sang. Et ce sang est la Nouvelle Alliance. Vous êtes le sang, parce que le sang est la vie, et que la vie est la lumière. Oh là là. Gloire à Dieu. Ce livre ne donne pas le nom de chaque personne ici, mais ce qu'est le mystère du livre, quand il appelle les noms qui sont ici. Ce livre ne dit pas Lee Vail, Orman Neville doivent être sauvés au temps de cet âge de l'Église. Il montre simplement le mystère. Il dévoile le mystère de ce qu'est la chose. Et c'est Christ est le mystère des sept tonnerres sur le dos du livre. Voilà votre nom. La parole est votre nom. Le nom est appelé la parole de Dieu. Cela flash pour vous. L'Église est le sang de Jésus-Christ par l'Esprit, parce que la vie est dans le sang. C'est le baptême du Saint-Esprit.
qui vous baptise dans le corps. Et alors, vous reconnaissez votre parole. L'épouse est prédestinée à être baptisée du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le livre de la rédemption. Voilà pourquoi il est venu. Le Nouveau Testament est le livre de la rédemption. Gloire au Seigneur. Et quand le sang, il révèle votre nom, et alors vous êtes engendré, comme dans la mère, quand le germe et l'œuf se rencontrent, ce bébé est engendré. Il est dans la maman. Il a une vie. Mais il n'a pas encore reçu l'Esprit, mais c'est le sang de son Père. La nature est là, à l'intérieur. Il entend la parole. Cela le sépare. Il est engendré. Et le diable ne peut pas l'arrêter. Cela continue, ça continue. Il avance en soupirant et en étant en travail. Il va naître, gloire à Dieu, et juste avant de naître, les os se brisent, le sang vient, et alors la vie entre à Pénaris. Alors c'est le temps pour le nouveau baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alors quand l'Esprit vient, alors il est né, engendré par le sang. La sanctification. Maintenant, je désire bien enfoncer la chose. Quand vous êtes sanctifié, vous prouvez que vous êtes en train de recevoir le sang. Laissez-moi le redire. Jusqu'à ce que vous soyez sanctifié, vous n'avez pas encore reçu le sang, la vie, la parole, le message pour votre âge. Alors, quand vous recevez le sang, votre nouvel esprit est changé. Vous avez un nouvel esprit. Vous êtes vraiment sanctifié. Alors, vous êtes prêt pour le Saint-Esprit. Amen. Oh, j'espère que vous le saisissez. Jusqu'à ce que vous soyez sanctifié, vous n'êtes pas encore engendré. Vous êtes dans un état justifié, avec des dedans, dehors, des hauts, des bas. Mais lorsque les tonnerres, lorsque le germe s'ancre dans l'âme, vous êtes changé. Vous vous sanctifiez. Vous avez la puissance sur la chair. Et cela pourrait arriver aujourd'hui. Si vous croyez vraiment que vous êtes un enfant du roi. Oh là là. Gloire à Dieu. Je pense que je vais terminer ici. J'allais lire quelques citations, mais je vais juste les laisser de côté. Mais je vais quand même lire celle-ci. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, volume 2, numéro 15, page 39. Remarquez maintenant, vous arrivez à des noces dans les cieux et vous portez l'anneau de la prédestination, l'anneau de mariage, de grâce imméritée, une alliance de grâce imméritée par vous. C'est Dieu qui l'a fait lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a glissé l'alliance sur vous là-bas. Oh là là. Il a mis votre nom dans le livre. Quel Thanksgiving! Quelle action de grâce! Quelle joie de savoir que j'ai une espérance au-delà de ce monde, sale. J'ai une espérance au-delà de ce monde. Je remercie Dieu. Je vais le louer, me séparer du monde. Gloire! Alléluia! Pensez-y, les amis. Encore 5 minutes. Amen. Maintenant, voici une grande question. Le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Est-il le même que le livre de vie? Est-ce deux livres différents? Ce n'est qu'un seul livre.
Toute vie est dans le livre. Il n'y a qu'un seul groupe. C'est la bête. Ces groupes dénominationnels et les systèmes du monde. Je n'ai pas le temps de le lire, mais dans Apocalypse 13, 8, tous ceux dont le nom n'était pas trouvé écrit dans le livre adoreront la bête et ses systèmes du monde. Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre, ils n'y ont jamais été. C'est comme Pharaon. Son nom n'était pas dans le livre. Dieu l'a suscité pour faire sortir son peuple. Amen. Et Dieu a suscité la bête, le système de la bête. Gloire à Dieu, amen. Leurs noms ne sont pas dans le livre. My, gloire à Dieu. Maintenant le livre. C'est le livre, il y a le livre de la vie naturelle. Tous ceux qui ne sont pas la semence du serpent, leur vie, leurs noms sont mis dans un livre. Tous ceux qui sont nés sur cette terre, qui ne sont pas la semence du serpent, vos noms sont écrits dans les cieux. Maintenant, ils peuvent entrer dans une réunion, et s'ils entendent l'Évangile, et s'ils ne se repentent pas, ils enlèvent leur nom. C'est parti. Et un jour, Dieu avait donné la puissance aux 70 sur les démons. Et ils étaient, oh, ils étaient heureux. Il a dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez la puissance sur les démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, il n'y a pas deux livres. Le livre de l'agneau est le livre de vie. Saisissez-vous ce que je suis en train de dire. J'ai dit le livre de vie. Toute la vie naturelle. Maintenant, dans la vie naturelle, dans le livre, la meilleure façon d'expliquer, c'est la semence. C'est une plante de blé, le grain de blé. C'est éternel. Amen. Il entre dans la terre. Et puis voici que vient une feuille, les luthériens. Et puis la tige, les méthodistes. Ensuite la balle, les pentecôtistes. C'est une partie de la semence. Ce n'est pas la semence. C'est l'Église. Ce sont les membres d'Église. Oh là là. Il y a une vie de la semence. C'est la vie de la parole. Il y a une vie de la plante. C'est la vie de l'Église. Vous allez à l'Église. Vous faites quelque chose de bien. Amen. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des croyants. Ils sont charnels et mondains et ne sont pas nés de nouveau. La semence n'est pas là. Gloire à Dieu, mais ils ont la vie s'ils ne la rejettent pas. Amen. Maintenant, vous avez quatre groupes. Vous avez l'épouse, qui est la semence, c'est le blé. Alors, vous avez les vierges folles. Et ils sont sanctifiés, ce sont de bonnes personnes. Et beaucoup d'entre elles sont dans ces dénominations et soi-disant nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, vous viendrez à la parole. Ainsi, ils apparaissent à la télévision avec des longs cheveux et ressemblent à je ne sais pas quoi, et ils appellent ça « né de nouveau ». Non, ça ne correspond pas avec ceci. Mais ce sont de bonnes personnes, et ils sont séduits par le club des 700, et PTO, et Oral Roberts, et Billy Graham. Ils ont reçu un mensonge par lequel ils peuvent vivre de façon mondaine dans le monde et quand même avoir Jésus. Non, non. Vous devez souffrir. Vous devez sortir. Être séparé. C'est un mensonge du diable. Amen. Gloire. Hallelujah.
Ainsi, ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas d'huile dans leur lampe. La lampe est la parole. Ils professent Jésus. Et ils croient même dans l'enlèvement. Et ils marchent avec tous leurs habits mondains et toutes leurs choses du monde avec la parole de vie. La lampe. Mais ils n'ont pas d'huile dans la lampe. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Mets de l'huile dans ma lampe aujourd'hui. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Praise God, amen. Praise God, amen. Savez-vous ce qui se passe à New York? Nous laissons les 99 et nous allons chercher celle qui est perdue. Mon message a changé. Allez chercher cette semence prédestinée. Nous donnerons l'enseignement mercredi. Mais nous allons chercher les âmes ce matin. Le salut. Gloire à Dieu. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui entend vienne. Quiconque veut qu'il vienne. Gloire à Dieu. Praise God. Amen. So here we are. Ainsi nous voici rapidement. L'épouse, la vie de la semence. Alors il y a les vierges folles. Elles ne naissent jamais de nouveau. Et elles ont commencé en Éphèse. Mais elles ne reçoivent jamais l'esprit. Ce sont des gens naturels. Toujours naturels. Et ce sont de bonnes personnes. Ils ressusciteront à la seconde résurrection. Et voilà pourquoi il a dit, bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Faites en sorte d'arriver à cette résurrection-là. Amen. La première résurrection, mais leurs œuvres les suivent et ils doivent mourir pour leur foi dans la période de tribulation qui vient. C'est le groupe numéro 2. Alors dans Saint Matthieu 25, il y a des personnes justes au jugement du trône blanc. Il y aura des millions de païens et toutes sortes de personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Beaucoup d'Africains vivent selon la loi de leur cœur. Et beaucoup d'Américains et de gens soi-disant civilisés, ils ont la loi, mais ils ne veulent pas la vivre. Ainsi, vous voyez, au jugement du trône blanc, des millions de gens seront ressuscités et il les séparera comme les brebis des boucs. Et toutes ces personnes comme des brebis, parmi eux, il y aura de bonnes personnes, comme le docteur Sam Adair, qui a béni l'épouse, comme le docteur Kashuba, qui a béni l'épouse. Ils font des choses que les gens qui sont censés être dans le message ne feront jamais. Ils ont cela dans leur cœur, mais ils n'ont pas été élus pour être l'épouse. Gloire à Dieu, amen.
Ainsi voilà vos vierges folles. Peut-être qu'un faux prophète leur a donné une interprétation dans le message, toutes sortes d'interprétations folles. Ce sont de bonnes personnes qui ne peuvent pas recevoir la plénitude de l'expiation. Ils croient en Jésus, l'expiation, mais la plénitude, les sept tonnerres, l'adoption, la perfection, c'est la plénitude de l'expiation. Mais ce sont de bonnes personnes. Ils ont peut-être été aveuglés par un faux prophète ou quelque chose. Ils n'ont simplement pas reçu le message. Leur nom n'était pas dans cette certaine section du livre. Mais ils étaient dans le livre, cependant. Je vais juste en parler pendant une seconde. Amen. Alors, il y a un autre groupe, les frontaliers. Vous devez faire attention à ceci. Ils sont dans Hébreux 6. Israël, Balaam, Judas, et ces gens ici, des grands évangélistes, ils ont des manifestations dans leur vie, des signes et des prodiges. Ils font toutes sortes de choses. Judas avait été ordonné par Dieu pour être un ministre. Mais l'ordination ne signifie rien. Il n'avait pas la vie. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Assurez-vous de recevoir cette vie. Amen. Nous allons bien l'enfoncer. Et Judas a participé au mystère. Oui, il était assis là quand le Fils de l'homme a révélé les mystères de l'Ancien Testament et a exprimé les mystères. Et Judas a reçu ces mystères du royaume de Dieu. Il était ordonné par Dieu, mais c'était un démon. Et il a enlevé son nom du livre de vie. Et de même, Balaam et Israël et le reste d'entre eux. Alors le groupe numéro 4, ce sont ceux du système de la bête. Leurs noms ne sont même pas dans le livre. Comprenez-vous cela maintenant, les amis? Oh là là. Ainsi, il y a la vie, la naissance naturelle, parce que la vie est précieuse pour Dieu, et il enregistre toute vie, et c'est votre nom. Et alors, il y a la vie spirituelle, qui est une naissance spirituelle. Maintenant, toute vie est enregistrée dans le livre de vie, ou le livre de vie de l'agneau. Oh là là, gloire au Seigneur. Comprenez-vous finalement maintenant, les amis, que vous avez une représentation par prédestination? Voici pourquoi. Avez-vous saisi ce que j'ai dit? Le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie. Mais dans le livre de vie, ou le livre de vie de l'agneau, il y a une autre section qui est la vie éternelle. J'ai dit la vie éternelle, la vie spirituelle, dans le livre de vie de l'agneau. Et alors, si vous n'avez pas encore reçu, avant la fondation du monde, il avait une section spéciale d'éternité. Ces gens-là, ce sont l'épouse. Leurs noms ne peuvent jamais, jamais être effacés. L'épouse, la section éternelle, dans le livre de l'agneau. Oh là là. L'autre, c'est la plante de blé. Les vierges folles, les personnes justes, leurs noms sont là aussi avant la fondation du monde, qu'ils seraient l'Église, qu'ils viendraient dans la deuxième résurrection. Mais il y a une section éternelle dans le livre. Vous avez toujours existé. Alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes la pensée de Dieu. Vous êtes prédestiné. Dieu, dans sa préscience, vous a vu. Il vous a élu. J'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit,
Dieu vous a aimé. Alléluia. Où étiez-vous quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie? C'était vous. Ô Église, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, est-ce que tu le vois, frère Tice? Éternel. Ton nom ne peut jamais être effacé. Cessez de regarder vers le bas. C'est le travail du diable de vous faire penser que vous êtes un pécheur. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous ne pouvez pas pécher. La semence de Dieu demeure en vous. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Vous croyez toute la parole. Vous croyez les tonnerres, l'adoption, la perfection. Vous croyez Malachi 4. Comment pouvez-vous pécher? C'est le sang, c'est la vie qui est en vous. La représentation par prédestination. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. God, my, 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 glory, oh, hallelujah, my, 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 did you catch it? L'avez-vous saisi? My, in the beginning was the word. Au commencement était la parole. That's the Bible. C'est la Bible. Mais avant le commencement, au dos du commencement, les parties sur le dos, cette partie sur le dos, c'est vous, avant la fondation du monde. Mais l'Église, ils étaient au commencement, mais leur nom n'était pas sur le dos. Ils ne comprennent pas la Bible. Ils disent Père, Fils et Saint-Esprit. Vous dites Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un membre d'Église. Vous êtes la parole depuis le commencement. Alléluia. Gloire. Alléluia. Merci Jésus. Tout comme les sacrificateurs. Le sacrificateur en Israël et la prostituée, la femme au puits, sur son dos, elle était blanche. Et le dos du sacrificateur était noir. Son nom n'était pas là. Mais sur la terre, oh, il était élevé, il était instruit, il était puissant, il était intelligent, c'était un érudit, il connaissait Dieu. Mais quand Dieu est venu voilé dans la chair, il ne connaissait pas Dieu. Il est venu contre Dieu. Pourquoi? Il n'y avait pas de représentation. Mais il est venu vers la femme au puits. C'est vous et moi, avec toutes sortes de péchés, de saleté, de drogue, de prostituée. Le voici qui vient. Il vous a parlé. Je vous donnerai à boire d'un autre puits. Vous n'aurez plus jamais soif. Venez voir un homme qui a tout dit à mon sujet. Je ne suis pas bon. Je sens mauvais. Je pue. Je me déteste. Je me repens. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Qu'était-ce? C'était le sang. L'agneau immolé. Ce sang était voilé. Il parlait pour elle. Et maintenant la nouvelle alliance en mon sang qui a été versée pour vous. Le sang vous a réclamé. Vous êtes engendrés. Vous serez remplis. Né de nouveau. Une nouvelle naissance. Pourquoi? Vous êtes un attribut de Dieu. Vous avez une représentation. Amen. Par prédestination. Alléluia. Oh, hallelujah.
Vous ne pouvez faillir. Oh my. You can't fail, Nelson. Tu ne peux faillir, Nelson. How can you fail, Nelson? Comment peux-tu faillir, Nelson? Voilà pourquoi tu viens depuis la Pennsylvanie. Gloire! Depuis le Massachusetts. Je ne suis pas ce que je désire être. Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que j'étais. Amen, Andrew. Dieu a reçu ta confession. Alléluia. Gloire. Alléluia. Glory. Oh my. All God wants you to do. Tout ce que Dieu désire que vous fassiez est d'accomplir la partie légale. Ruth était justifiée, mais elle a aussi accompli la partie légale. La sanctification est la partie légale. Si seulement vous voulez accomplir la partie légale, vous débarrasser de la saleté, cela doit être fait. La sanctification de vos esprits humains. Vous savez que vous êtes justifié depuis avant la fondation du monde. Vous savez que vous avez une représentation par prédestination. Et maintenant, tout ce que vous devez faire est de vous nettoyer pour prouver qu'il y a une ligne de vie en vous qui vous nourrit et qui fait grandir le bébé en vous. La charité va recueillir ce bébé. Oh là là! L'épouse fait partie du mari, mais vous devez reconnaître votre position aujourd'hui. Amen. Le croyez-vous? Il y a un fleuve qui coule des profondeurs. La représentation par prédestination. N'êtes-vous pas heureux aujourd'hui de savoir qui vous êtes, de savoir d'où vous venez et de savoir où vous allez? Si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Oh, ma. Thank you, Lord. Oh, come to these waters. Oh, there is a vast supply. There is a that never shall run dry. You may be seated as we continue to sing. There is a river that flows from deep within. There
Continue à jouer doucement. Gloire à Dieu. Eh bien, les amis, simplement le fait de penser que nous avons une représentation par prédestination. Savoir que le Dieu qui sait tout, en cette heure maintenant, les derniers jours du système du monde, nous remercions Dieu de savoir que le fond de l'enfer a été libéré et que toutes ces scènes horribles, comme les anges de l'enfer et tous ces sodomites et ces démons de l'enfer qui sont venus sur la terre depuis environ 1963 avec la liberté de parole et l'anti-gouvernement, l'anti-établissement, l'anti-tête de la famille. Ce sont des démons qui sont libérés pour déchirer les systèmes décents. Alors que l'Amérique et les gens étaient bénis et que la famille était autrefois une chose réelle, tout est fini maintenant. Je remercie Dieu de savoir ce matin que je fais partie de la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai un endroit où aller. Je vais à un souper des noces. Je vais à une lune de miel. Je vais vers une nouvelle cité, avec de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Merci Seigneur que nous allons dans l'enlèvement et que nous ne devrons pas être ici pendant 3 ans et demi d'enfer. Oh là là. Eh bien, chaque tête inclinée, y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Peut-être que vous ne comprenez pas la manière qui a été prêchée, mais vous savez que quelque chose est en train de se passer. Si vous ne savez pas par le message, sortez simplement et regardez comme toutes les malédictions de la Bible sont manifestées dans les rues. Et vous verrez aussi les bénédictions de la Bible manifestées dans le peuple de Dieu qui essaie de vivre la parole qu'il a prononcée. Ainsi, nous allons vous donner l'occasion ce matin. Peut-être que vous êtes un pécheur. Peut-être que vous êtes une bonne personne. Vous venez peut-être d'une église dénominationnelle. Vous êtes peut-être un croyant né de nouveau. Mais vous n'avez pas été baptisé du baptême chrétien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi nous vous donnons l'occasion ce matin, si vous désirez donner votre cœur au Seigneur, y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui voudrait aller plus profondément avec Dieu, qui voudrait véritablement se libérer pour le Seigneur? Eh bien, amen. Je désire simplement vous donner cette opportunité. La Bible dit, le jour où vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ainsi, gloire à Dieu. Oh my. Amen. Brother Joey, Frère Joey, veux-tu amener le petit Peter? Frère Willy, je voudrais prier pour toi avant que tu ailles à l'hôpital pour cette opération. Sœur Casta, amen. Give us a key for the great physician. Donnez-nous l'air pour le grand médecin. The self-sizing Jesus, He speaks the truth to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Sweet is known in sin. Sweet is name on mortal
Jesus bless.